Ça va bien? Oui, bien écoutez, au nom de la ville de Montréal et de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, il me ferait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette séance d'information publique qui porte sur le réaménagement permanent du carré Augier. Donc, je m'appelle Pierre Tessier et j'aurai le plaisir ce soir d'animer cette rencontre-là. Surtout, en fait, mon rôle sera surtout important pendant la période de questions qui va suivre les présentations. Donc, pour ne pas nuire au bon déroulement de la rencontre, je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir mettre vos téléphones cellulaires en mode silencieux, si c'est possible, évidemment. Donc, ça va juste peut-être éviter de créer des interruptions pendant la soirée. Donc, ce soir, la rencontre elle a pour but de vous présenter ce fameux concept d'aménagement permanent et de répondre à vos questions. Donc, avant de présenter le programme de la soirée, bien, j'aimerais souligner la présence avec nous ce soir de Mme Erika Alnéus, qui est conseillère de la ville du district d'Étienne-des-Marteaux dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, où on se trouve, et également membre du comité exécutif de la ville de Montréal, Mme Alnéus, que j'ai vue tout à l'heure. Qui est là? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. Et tout de suite après mon introduction, bien, je vais lui laisser justement la parole pour vous souhaiter officiellement la bienvenue. Et ensuite, on va demander à Mme Michèle Demers, qui est conseillère en aménagement de la division de l'urbanisme des permis de l'inspection de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, qui va revenir brièvement sur la démarche de consultation auquel, j'imagine, certains et certaines d'entre vous ont peut-être déjà participé. Elle va présenter le concept et les plans de l'aménagement permanent. Et tout de suite après, on va demander à Mme Morgane Sicilia, qui est ingénieure aux études techniques, de terminer la présentation en vous expliquant les prochaines étapes de ce beau projet. Donc, on va compléter la séance de ce soir avec une période d'échange et de questions. Et si tout se déroule comme prévu, on devrait terminer tout ça vers 20h30, donc pour aller continuer de profiter de la soirée. Donc, rappel peut-être quelques petites consignes. Pardon. La présentation de ce soir, elle est enregistrée, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Et à des fins d'archivage, mais aussi pour préparer le contenu, le procès-verbal essentiellement, de la rencontre de ce soir. Et aussi la présentation ainsi qu'un document questions-réponses vont être préparés et disponibles dans les prochains jours sur la plateforme Réalisons Montréal. Donc, la plateforme Réalisons Montréal se trouve à l'adresse réalisonsmtl.ca. Donc, réalisons avec un S, évidemment, mtl.ca. Donc, je vous inviterai, s'il vous plaît, à garder vos questions pour la période de la fin, pendant la période d'échange qui est prévue vers les 19h30, 19h35. Donc, je tiens à préciser que les questions devront porter uniquement ce soir sur le projet du carré Augier et que les commentaires ou les questions qui ne respectent pas le décorum, comme on dit, ne seront pas tolérés, ou tout comme la violence verbale, mais je pense que vous êtes du bon monde et ça devrait bien se dérouler. Donc, sans plus tarder, j'invite Mme Erika Alnéus à vous souhaiter officiellement la bienvenue. Bonsoir, Mondo. OK. Bonsoir. Je suis très contente de vous voir. Il y a des visages que je reconnais, des gens avec qui j'ai échangé depuis le début que je suis élue. Donc, premièrement, je veux prendre le temps de vous saluer. Je veux prendre aussi le temps de vous remercier d'être présent. Merci de vous soucier de votre milieu de vie. Sachez que c'est vraiment apprécié. Je suis très contente de vous présenter avec l'équipe de l'arrondissement le réaménagement permanent. Une des choses pour moi qui est importante de vous dire, c'est que vous avez participé, vous avez mis, certains d'entre vous, votre cœur, vous avez voulu partager certaines considérations, puis de manière globale, on a pris compte de ça pour faire l'aménagement permanent. On a parlé de sécurité, on a parlé de verdissement. Un autre enjeu aussi qui est important, puis pour moi, surtout pour les résidents du coin, c'est l'aspect aussi d'inondation. Comment on pallie des enjeux de changement climatique dans un coin où il y a eu des enjeux. Donc, pour moi, c'est important vraiment de mettre de l'avant que, de manière globale, la participation aux activités que vous avez faites, on a pris en compte vos commentaires, certaines préoccupations. Je suis très consciente qu'il n'y aura pas tout. Il n'y aura peut-être pas exactement tout, mais sachez que l'esprit de ce qui a été déposé et partagé à l'arrondissement a été pris en compte dans le projet. Puis c'est ça aussi qui, si je peux me permettre, qui est un peu particulier quand on est élu, c'est que notre responsabilité, c'est d'écouter chaque personne pour prendre des décisions pour le collectif. Donc, je veux quand même vous remercier d'avoir participé à ça. Je pense que on est très chanceux d'avoir eu des gens avec qui sont impliqués. Puis c'est au-delà des sessions d'information. Il y a vraiment des visages. J'ai reçu des courriels. Vous avez pris le temps de nous sensibiliser à certaines réalités. Puis je veux vraiment vous remercier de votre implication et de votre
présence. Je pense que c'est un peu ça aussi, la vie démocratique, c'est d'avoir à réfléchir puis à bâtir pour ceux qui viendront. Je pense à ces deux choupettes qui sont avec nous ce soir. Il y a quand même à eux aussi qu'il faut penser dans la construction de notre quartier et de notre ville. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et merci d'être là. Et merci à vous. Merci. On peut l'applaudir. Ben oui, pourquoi pas. Alors, donc, merci, Mme Annéus. Ben écoutez, on va commencer officiellement les présentations. Donc, roulement de tambour pour vous présenter, justement, peut-être revenir sur la démarche, mais surtout vous présenter le concept d'aménagement permanent. Et pour ce faire, j'invite Mme Michèle Demers à prendre la parole. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? D'accord. Donc, je débute immédiatement. En fait, ici, le carré OJ fait face à de nombreuses problématiques, comme vous le savez. D'un côté, on retrouve des enjeux qui sont plus environnementaux, tels que la forte minéralisation du site puis de ses environs. Donc, ça vient générer un îlot de chaleur local. Puis aussi, on a vraiment un manque de végétalisation puis de canopée. Puis on rencontre aussi des problématiques de drainage de ce site-là. Puis, d'un autre côté, on a des enjeux qui sont plus associés à la sécurité des usagers. Donc, on a un certain achalandage piéton dans le secteur qui vient entrer en conflit avec les automobilistes, puis avec, des fois, la mobilité active. On a également un manque de signalétique ou de stratégie de ralentissement dans un espace qui est adressé à des personnes plus à risque, comme, par exemple, aux enfants. Puis aussi, on sait qu'on est dans une zone résidentielle et un corridor scolaire, étant donné qu'on est à proximité d'une école. Puis, ça crée quand même un sentiment d'insécurité chez les gens. Donc, pour adresser ces enjeux, l'arrondissement a mis en place un aménagement temporaire en 2022. Puis, on a également fait toute une démarche de consultation participative avec les citoyens pour vraiment bien prévoir le réaménagement du carré OJ. Donc, on est conscient que l'aménagement temporaire n'a pas réussi à tout régler, notamment pas les enjeux environnementaux et le verdissement. Mais par contre, l'intégration d'un espace piétonnier au centre a permis de sécuriser les déplacements, puis aussi de réduire un peu le transit véhiculaire. Donc ici, je vais faire un bref retour sur la démarche de consultation citoyenne. En fait, elle comprenait d'abord une séance d'information. Ensuite, on a mis en ligne un sondage sur la plateforme Réalisons Montréal. On a élaboré puis implanté un aménagement temporaire. Puis, on a eu aussi en soirée deux groupes de discussion avec des citoyens ciblés. Puis, on a eu également un atelier de conception participative qui s'est déroulé sur le site du carré OJ. Donc, c'était vraiment plus pour faire de la co-création. En fait, il y a une centaine de personnes qui ont répondu au sondage sur le site de Réalisons Montréal. Donc, vous voyez ici qu'il y a 60 % des gens qui demandaient comme un espace déminéralisé et verdi. Donc, le verdissement était au cœur des préoccupations. Les gens voulaient aussi augmenter le sentiment de sécurité des piétons. Également, on est dans un îlot de chaleur local, donc l'idée, c'est de venir réduire cet îlot de chaleur-là, puis avoir plus de zones d'ombre, puis de verdissement, puis également d'apaiser la circulation. Donc, l'ensemble des étapes de la démarche de consultation participative a fait ressortir une série d'orientations pour le réaménagement permanent, qui ont été divisées en trois grandes thématiques, comme vous voyez à l'écran. On a au niveau de l'environnement, de la mobilité et de l'espace public. Donc, en termes d'environnement, c'était vraiment un désir de végétaliser puis de déminéraliser l'espace que vous nous avez demandé. Ensuite, il y avait aussi l'idée d'intégrer des infrastructures naturelles, notamment au niveau de la gestion des eaux pluviales. Également, les gens voulaient un aménagement paysager de qualité. Évaluer la possibilité d'intégrer de l'agriculture urbaine ou des aménagements comestibles, puis que ça soit des espaces indigènes, résistants aussi aux conditions climatiques. Il y a aussi eu vous avez aussi demandé plusieurs aspects en termes de mobilité, notamment vraiment d'avoir des déplacements qui soient plus sécuritaires. Aussi, la notion d'accessibilité universelle, donc que le site soit accessible universellement, puis une cohabitation qui soit harmonieuse entre les différents usagers de la route, les piétons, les cyclistes, puis les automobilistes, puis de bonifier la signalétique pour permettre justement que ce secteur-là soit mieux amélioré pour tous, puis des saillies végétalisées aux intersections pour venir ralentir la circulation véhiculaire notamment.
Il y a aussi certaines personnes qui souhaitaient avoir un espace de jeu libre, convivial et sécuritaire pour les enfants. Qu'on bonifie l'éclairage de rue parce que c'est un lieu qui était un petit peu moins éclairé en soirée. Que aussi on ait des mesures pour vraiment venir éviter d'avoir du flânage dans le secteur. Puis, certaines personnes voulaient aussi un espace de socialisation, de détente, puis des aménagements flexibles. Comme vous le savez, le site est assez restreint. Puis, vous le voyez, il est sujet à vraiment plusieurs orientations. Donc, il a fallu faire un espèce d'équilibre entre toutes ces priorités-là puis ces orientations-là. Puis, dans le fond, le résultat puis les conclusions de ces analyses-là, dans le fond, ils ont fait en sorte qu'on a dû identifier des priorités. Donc, nous, en fait, c'est comme une vision d'ensemble, une vision cohérente. On veut repenser la ville pour mieux assurer la sécurité des personnes qui sont vulnérables. On a le plan d'action Vision Zéro qui s'arrime au plan stratégique Montréal 2030, puis au PUM plan d'urbanisme et de mobilité 2050. Ensemble, ces plans, ils visent à faire de Montréal une ville qui est plus inclusive puis plus conviviale. Puis les enjeux environnementaux sont aussi pris en compte, dont celui de la transition écologique, dans le fond. On veut que ça soit une priorité pour la ville, de sorte que le plan climat en matière de mobilité durable agit en complémentarité avec la vision zéro également. Donc, la partie qui va vous intéresser le plus probablement, on va commencer à parler du concept d'aménagement permanent. Donc, le parti pris qui a été sélectionné pour le concept, c'est « Et si on verdissait 100 % du carré au G » pour créer vraiment une oasis de verdure. Donc, ici, vous avez une image qui illustre l'idée de retrouver une zone naturelle au cœur de l'îlot qui est actuellement 100 % minéralisée. Donc, dans le fond, le carré au G représente vraiment une belle opportunité de végétaliser la trame urbaine en créant un lieu de fraîcheur puis de biodiversité. Donc, ici, vous avez quelques images d'inspiration qui traduisent l'idée de vraiment un retour à la source. Donc, nous, on avait en tête l'idée de l'ancien, l'idée de la voie ferrée parce qu'on était sur un ancien site où tournait le tournement du tramway. Donc, c'est vraiment des images qui représentent plus le naturel. On n'est pas vraiment dans l'ornemental, on est plus dans la gestion de l'eau de pluie, par exemple, notamment par les végétaux puis la matérialité. Donc, par cette proposition-là, on veut se figurer un retour aux sources par l'intégration d'une oasis de verdure. Les trois grands gestes, en fait, la réflexion est poussée sur trois points. Les seuils, la circulation, la biodiversité, puis la création d'un espace résilient. Au niveau des seuils, le site doit être plus accessible et sécuritaire pour les gens du quartier. L'espace a été évalué pour assurer la sécurité des différents usagers. Puis également pour l'accessibilité universelle qui est préconisée. On souhaite vraiment venir créer une zone qui soit franchisable et sécuritaire. On a intégré donc par l'intégration notamment d'une passerelle. Puis il y a également des seuils qui vont être aménagés de part et d'autre de la passerelle, qui vont être accueillants et sécuritaires. Puis ils vont intégrer une canopée qui va être enveloppante, puis proposer également un éclairage nocturne adéquat. Donc, on est venu vraiment aussi créer une hiérarchisation des circulations, puis diminuer l'importance de la voiture au sein du carré Augier. Au niveau de la biodiversité, comme vous le savez, on part de zéro biodiversité. Soit on est dans un milieu qui est entièrement asphalté, puis on veut vraiment ramener un milieu végétal. On veut envahir l'espace avec les trois strates végétales, avec une diversité horticole pour permettre vraiment de venir réduire cet îlot de chaleur-là. Dans le fond, on veut intégrer des végétaux qui soient résistants, aussi résilients, puis majoritairement indigènes pour créer un milieu qui soit riche en biodiversité. Ensuite, au niveau de l'espace résilient, qui était l'un des objectifs de cet aménagement-là pour vraiment venir permettre plus d'une rétention des eaux. Dans le fond, on veut permettre l'infiltration d'eau d'une façon naturelle pour venir éviter de surcharger le réseau des infrastructures de la ville. On vient donc proposer une espèce de jardin de pluie qui va servir de bassin de biorétention pour tempérer le réseau urbain, puis aussi lors des périodes de grande pluie, par exemple, puis en plus de venir créer cette zone de biodiversité.
Au niveau des stratégies, concrètement, ça se déploie en trois grandes stratégies. D'abord, on implante une passerelle en caillé bâti. C'est une espèce de revêtement métallique qui permet à l'eau de s'écouler. Puis ça permettra vraiment de maximiser le plus possible la végétalisation au sol, mais ça ajoute également une couche de transport puis de mobilité qui se veut assez sécuritaire. Donc, cette proposition-là elle va être vraiment assez unique en termes d'expérience paysagère pour les piétons. Puis, en plus, ça répond à plusieurs enjeux que vous avez identifiés lors de nos soirées d'information, de nos soirées de consultation, soit de venir miser sur la végétalisation, la déminéralisation, de réduire les lots de chaleur, puis d'utiliser des infrastructures naturelles de gestion de l'eau pluviale. Ensuite, au niveau de la deuxième stratégie, on vient réduire la largeur de la chaussée pour former des espèces de zones plus rétrécies. Puis on vient également surélever les passages piétonniers pour permettre de sécuriser les traverses, mais aussi assez efficacement de ralentir le trafic sur les rues pour assurer la sécurité des piétons puis faciliter l'accessibilité universelle également. Ensuite, la troisième stratégie, c'était d'utiliser de l'éclairage de proximité pour venir vraiment identifier les circulations à la noirceur. On ne veut pas éclairer l'ensemble de l'espace au complet. On veut vraiment mettre l'emphase sur la sécurité des déplacements. Donc, on ne veut pas non plus inviter à l'utilisation de l'espace en soirée. Donc, en récapitulatif, notre idée, c'était vraiment d'offrir une enceinte 100% végétalisée. Puis, on imagine une passerelle qui flotte au-dessus. Puis, nous, ce qu'on préconise, c'est le moins d'intervention minérale possible. Ici, vous avez le plan d'ensemble qui vient illustrer ce nouveau carré Augier. Donc, le numéro 1, je vais juste pointer, qui se trouve à être juste ici, c'est la passerelle en caillé bâti qui permettra de franchir le site. Donc, en même temps, de laisser l'eau s'écouler dans le bassin de biorétention qui va être situé juste en dessous. Au numéro 2, vous avez une petite halte avec un banc ici qui est proposé au travers le parcours qui va permettre aux piétons de se reposer, mais aussi qui va être intéressant au niveau de l'accessibilité universelle si les gens veulent prendre une petite pause au passage. Au numéro 3, en fait, il y a l'intégration de colonnes d'éclairage au sein du parcours. Donc, c'est des colonnes qui sont vraiment plus pour éclairer la circulation puis la végétation. Au numéro 4, on le pointe plus au niveau de la circulation. On a intégré 4 traverses. En fait, c'est des espèces de zones, des saillies pour permettre vraiment de réduire la largeur de la chaussée aux intersections. Puis, on a également des trottoirs surélevés pour permettre de traverser de façon sécuritaire puis réduire vraiment la vitesse véhiculaire. On vient aussi créer un espace résilient, donc le numéro 5, c'est le jardin d'eau de pluie qui est situé sous la passerelle. Puis, dans le fond, ça permet l'infiltration naturelle de l'eau puis la rétention d'un certain volume d'eau également. Puis, en fait, de part et d'autre, les numéros 6, puis on en a aussi sur Louis-Aymon. On vient intégrer soit des sailles drainantes ou des noues pour permettre également une certaine infiltration de l'eau dans ce nouveau carré Augier. Également, ma collègue va en parler plus précisément, mais la rue Louis-Aymon va également faire l'objet d'une réfection, étant donné qu'il va y avoir des travaux d'infrastructures souterraines qui vont être prévus. En fait, on profite des travaux de réaménagement du carré Augier pour refaire les infrastructures qui étaient dues également. Donc, les numéros 7 et 8 que vous voyez sur le plan, c'est ce qui concerne le verdissement. Donc, le numéro 7, c'est les arbres à moyen et à grand déploiement qui vont être implantés sur le site. Puis aussi, le numéro 8, c'est des punches végétales. Donc, il va y avoir également certains arbres plus ornementaux qui vont permettre d'amener une certaine couleur dans ce carré Augier. Donc, ici, c'est la coupe transversale pour vous permettre d'illustrer du nord de la rue Augier vers le sud. Donc, vous avez le trottoir qui est juste ici du côté nord, avec une zone de plantation, la passerelle ici en caillé bâti, avec en dessous le jardin d'eau de pluie. Puis ici, vous avez le petit banc et une zone de plus de plantation style zone d'ombre.
Ensuite, je vous montre quelques perspectives. Ici, vous voyez, c'est la une vue du piéton de la passerelle en Caillebotti avec le banc, avec la végétation. Une autre perspective à vol d'oiseau qui permet de voir que la passerelle n'est pas tout à fait en linéarité pour permettre un petit peu d'animer l'espace. Également, vous voyez le jardin d'eau de pluie. Puis ici, une autre perspective. Ici aussi, on voit le bassin de biorétention, la passerelle, le jardin, puis les colonnes lumineuses également qui sont intégrées. Une intersection plus sécuritaire. Donc, les principes en matière de sécurité ou de circulation qui ont été intégrés. Dans le fond, au niveau de l'accessibilité universelle, c'est des parcours qui vont être libres d'obstacles d'au moins 1,8 m de large qui sont intégrés. Et on offre aussi des parcours qui sont éclairés, des revêtements de sol qui sont stables et fermes. Puis aussi, on a des espèces de points d'intérêt, des points d'arrêt où les gens peuvent circuler. Au niveau de la circulation piétonne, dans le fond, l'aménagement permet vraiment de bonifier l'expérience des piétons. Puis, on vient développer une hiérarchie des circulations également pour rendre ça vraiment plus sécuritaire avec des trottoirs de largeur variée. Puis, on est venu créer aussi des rehaussements au niveau de la chaussée, puis des intersections en saillie. Pour ce qui est de la circulation cycliste, bien, les aménagements ils vont vraiment permettre d'augmenter le confort des cyclistes parce que vraiment, là, il va y avoir un transit véhiculaire vraiment très au ralenti. Donc, ils vont pouvoir circuler sur la rue également avec les voitures qui vont rouler de façon beaucoup plus au ralenti. Au niveau de la circulation véhiculaire, en fait, on conserve le même sens de circulation qu'actuellement avec l'aménagement temporaire pour la partie, dans le fond, est du carré OG. Puis ensuite, on est venu aussi surélever les quatre intersections, puis on est venu prolonger les trottoirs également pour permettre aux gens de traverser. Ensuite, en termes de stationnement, en fait, il y a 5 cases de stationnement supplémentaires qui vont être retirées dans le cadre du réaménagement permanent. Ce retrait-là est nécessaire, en fait, pour permettre le passage des véhicules de déneigement, mais aussi pour implanter 2 saillies de trottoir pour venir réduire la largeur de la chaussée. Donc, il y a une case de stationnement en moins qui va être juste ici sur la rue Louis-Aymon. Puis, il y a 3 cases sur Louis-Aymon ici. Ça, ces cases-là, c'est pour permettre le passage des véhicules d'urgence. Et une case supplémentaire sur Augier dans la portion ouest de l'aménagement. En fait, ici, c'est un projet qui se veut inclusif puis accessible. Donc, on a suivi plusieurs principes. On propose un éclairage qui est constant, sans ondes d'ombre, puis sécuritaire. Aussi, le site il va assurer une vision dégagée puis visible depuis les trottoirs, donc voir et être vu. Le concept aussi, il limite le plus possible les raccoins, puis il y a eu un choix méticuleux qui a été effectué au niveau de la végétation pour s'assurer qu'il n'y ait pas de cachette. Puis, dans le fond, le piéton et la sécurité est vraiment au cœur de toute la réflexion pour cet aménagement-là. Et également, on a intégré la notion de design universel pour permettre à tous les gens de pouvoir utiliser l'espace. De carré minéral à carré éponge. En fait, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est vraiment tout le principe d'infiltration naturelle de l'eau qu'on a voulu intégrer dans ce projet-là. Donc, l'objectif, c'est vraiment de rendre l'intersection plus résiliente face aux pluies abondantes qu'on connaît ces dernières années, puis de vraiment venir limiter leur impact sur la population, notamment limiter les inondations. Donc, le nouvel aménagement, il agit vraiment comme une éponge pour absorber l'eau. Le projet permet à la fois d'allier la gestion optimale des eaux de pluie, le verdissement, puis la sécurité. Dans le fond, cette action-là s'inscrit dans une série d'actions pour améliorer la résilience de l'arrondissement. Le projet y intègre donc un bassin de biorétention qui va recueillir 110 mètres cubes d'eau de pluie. Donc, ça correspond à environ 700 baignoires. Il intègre aussi une stratégie de nivellement. Donc, dans le fond, il permet aux eaux de ruissellement de se diriger vers le jardin de pluie qui est au centre du carré Augier.
Donc, on veut d'abord, la stratégie, elle vise d'abord à réduire au maximum la surface imperméable, à déminéraliser pour favoriser des surfaces qui vont permettre une infiltration naturelle de l'eau. Puis aussi, actuellement, les eaux de surface, ils s'écoulent vers le périmètre du carré OG. Donc là, on va adopter la stratégie inverse en proposant un point bas au centre du carré pour permettre justement aux eaux de se diriger vers le jardin. Donc, la majorité des eaux va être captée par le jardin de puits, mais il va y avoir des puiseurs, régulateurs de débit, puis aussi, il va y avoir des trop-pleins pour éviter comme qu'il y ait des débordements. Donc, cet ouvrage-là va assurer l'infiltration puis la rétention de l'eau, puis permettre de réduire les inondations, les surcharges ou les refoulements d'égouts. Dans le fond, la photo que vous voyez en bas, c'est une photo de la place des fleurs de Macadam qui est sur le plateau Mont-Royal. C'est un ouvrage qui permet aussi la rétention de l'eau. Puis, dans le fond, lorsqu'il y a vraiment des fortes pluies, l'eau a pu s'accumuler légèrement, mais elle s'infiltre dans le sol. Ça peut prendre jusqu'à une journée pour l'infiltration. Donc, en termes de matérialité, ici, le revêtement qui est proposé, c'est le caillebotis, comme je l'ai mentionné précédemment. Donc, c'est une espèce de revêtement métallique perforé qui permet à l'eau de s'infiltrer. Puis, pour le reste, c'est des traverses en béton standard là, qui vont être faites au pourtour de l'aménagement. Ici aussi, il y a des colonnes d'éclairage qui vont être positionnées de façon stratégique, vraiment pour venir éclairer le parcours de façon adéquate, sans inviter notamment à l'utilisation de l'espace en soirée. Là, c'est vraiment l'idée d'assurer une sécurité. Ensuite, au niveau de la stratégie de plantation, ce qui est proposé, en fait, en même le carré OG, c'est de planter à peu près une vingtaine d'arbres vraiment dans la partie plus centrale. La stratégie, c'est on voulait vraiment proposer une diversité d'essences qui est proposée dans un esprit de résilience puis d'écologie. On a favorisé des végétaux qui sont indigènes puis également adaptés aux changements climatiques puis aux conditions urbaines. Puis on voulait aussi offrir une canopée qui se veut intéressante pour les citoyens du secteur puis pour le confort climatique également. Puis, il y a aussi une réflexion pour offrir un intérêt visuel en toute saison. Par exemple, il y a une section qui intègre quelques conifères juste ici au coin là, pour assurer justement un divertissement puis des punchs durant la saison hivernale également. Il y a aussi toute une stratégie de plantation qui a été développée pour vraiment apporter une diversité d'ambiance intéressante, puis répondre aux objectifs de biorétention du site. Donc, le site a été découpé en 4 zones. On a la zone 1 qui se trouve à être le bassin d'eau de ruissellement. Puis, dans le fond, ça, c'est le point bas du site. Donc, c'est des végétaux qui sont tolérants au sol humide, puis qu'ils sont résistants aussi avec la présence de l'eau, puis des contaminants. On a la zone 2 qui se trouve à être la zone plus en vert jaune, juste ici, qui se trouve à être le lieu de collecte et de transport des eaux. C'est aussi des plantations qui sont adaptées, mais qui permettent aussi la stabilisation du sol. On a la zone 3 qui est juste ici, qui se trouve à être le jardin d'ombre. Donc, dans cette zone-là, c'est moins ensoleillé. Donc, on va proposer des punches végétales qui vont un peu réussir, qui vont être visibles durant l'hiver, notamment des conifères, des fougères. Puis, la zone 4, qui se trouve à être plus la mise en valeur des points d'entrée, donc les deux points rouges que vous voyez. Ça va être des végétaux, des arbrisseaux remorquables, puis des végétaux plus colorés pour permettre justement d'apporter une ambiance dans la végétation. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à ma collègue Morgane qui va vous parler des prochaines étapes. Bonjour à tous. Donc, moi, ce que je vais vous présenter, c'est les prochaines étapes du projet. Donc, comme vous l'aurez vu, ce qui a été présenté précédemment, toute la partie qui est étude préliminaire et définition du concept, cette partie-là a été terminée. On est actuellement en phase de réalisation des plans et devis pour appel d'offres, puis après, il y aura la phase des plans et devis d'exécution. On prévoit de lancer l'appel d'offres à la fin de l'année 2023, début d'année 2024, pour viser un octroi en mars 2024 et une réalisation qui devrait s'écouler, on l'a marqué, de mai à novembre 2024. C'est une période longue, mais il y aura différentes phases de travaux que je vais vous présenter juste après.
Au niveau des communications à venir, donc il y aura des avis aux portes pendant la réalisation des travaux. Il y aura aussi un service numérique d'avis et alerte. Il y aura aussi des informations qui seront disponibles sur le site montréal.ca, pardon, et sur la carte interactive d'infotravaux et aussi sur le site internet réalisonsmontréal.ca. En plus de ça, il y aura un agent de liaison qui sera attitré au projet. Donc, toutes les plaintes pourront passer par cet agent de liaison dont les coordonnées seront transmises ultérieurement quand ce sera déterminé. Après ça, donc, pour vous présenter un peu les différents travaux qu'il va y avoir sur la zone du carré OG. Donc, il va y avoir des travaux d'infrastructure souterraine, c'est ce qu'a présenté Michel, sur toute la rue Louis-Aymon, entre la rue Bélanger, puis l'intersection de la rue Augier, le Louis-Aymon. On ne descendra pas nécessairement aussi loin, mais c'est pour vous donner une idée. Il y aura donc des travaux de reconstruction des conduites d'égout, de reconstruction des conduites d'aqueduc. Il y aura aussi des remplacements d'entrées de service d'eau en plomb. Il y aura aussi des remplacements de toutes les entrées de service côté public. Ça, on pourra y revenir si vous avez des questions. Il y aura aussi la réhabilitation ou le gainage des conduites d'égout sur la rue Augier de part et d'autre de l'intersection. Donc, on s'arrête à peu près au niveau de la rue Sagar à l'ouest et de la rue des Écors à l'est. C'est pas mal ça. Puis, comme l'a présenté Michel, il y aura aussi des travaux de reconstruction des trottoirs, d'aménagement des saillies drainantes. Puis, dans l'intersection, il y aura les travaux de réaménagement du carré OG avec la construction de la passerelle, puis l'aménagement de tout ce qui est zone végétalisée. Au niveau des différentes phases de travaux, c'est sûr que c'est assez préliminaire, mais on peut en identifier plus ou moins trois. Dans toute la partie de la rue Louis-Aymon, il va y avoir la reconstruction des conduites, qui va être comme le cœur un peu du projet partie infrastructure. Ensuite, il y aura sûrement une phase de réhabilitation des conduites de part et d'autre de l'intersection, puis ça se finira certainement dans l'intersection Louis-Aymon et Augier, avec la mise en place de l'aménagement paysager puis de la passerelle. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces présentations, mesdames. Ben oui, on peut les applaudir, pourquoi pas? C'est un beau projet. Merci. Alors, on est rendu maintenant à la période de questions et d'échanges. Quelques règles, peut-être, avant de débuter. On vous demande, s'il vous plaît, d'aller au micro, qui est juste au centre, à côté de monsieur ici, là, qui va pouvoir aller poser une question très rapidement, j'imagine. Donc, on va demander aussi de limiter votre intervention à une question et à une sous-question. L'idée, évidemment, est de laisser la chance à tout le monde de pouvoir intervenir. Il est possible ce soir qu'on ne puisse peut-être pas vous donner des réponses complètes. Et si c'est le cas, on va prendre votre question en note et on va inclure la réponse et la question, évidemment, dans le document questions-réponses auquel je faisais référence tout à l'heure, que vous allez pouvoir découvrir dans les prochains jours sur le site Réalisons Montréal, réalisonsmtl.ca. Donc, les commentaires et les interventions, comme je disais tantôt, qui ne respectent pas le décorum, ne seront pas tolérés, mais je pense que ça devrait bien aller. Donc, on vous demande simplement de respecter les opinions de tout le monde. Donc, je ne sais pas qui va commencer à briser la glace, qui va vouloir poser la première question. Gênez-vous pas, on est là pour ça. Bon, non, c'était très clair. Bon, on a déjà une première question. Tiens, c'est parfait. Et s'il vous plaît, vous nommez, s'il vous plaît, quand vous allez intervenir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, moi, c'est Marc Lapointe. En fait, j'ai une question en ce qui a trait aux entrées de plomb. Je vois que le projet va vraiment de grande envergure. On va passer un certain nombre de mois dans les travaux? Dans les travaux, oui. Est-ce que la ville va en profiter pour faire tout, entre guillemets, la rue, pas qu'ils reviennent trois mois après, dans le sens que je parle de la partie Augier-Saint-Zotique. C'est cette partie-là, dans le sens que plutôt que de faire en deux fois, je pense que ça va déjà être un petit peu long. Parfait. Peut-être une question pour Morgane, oui? Alors, effectivement, nous, les travaux du carré Augier, pour l'intervention des travaux du service de l'eau, ça se limite vraiment à la partie qui va être au sud, merci Michel, qui va être en fait, donc là vous avez la rue Louis-Aymon, on va s'arrêter vraiment au niveau d'ici pour la limite des travaux de reconstruction. La partie de reconstruction au sud, ou plutôt jusqu'à Saint-Zotique, ne fait pas partie du projet. C'est sûr qu'on peut vous revenir avec une réponse un peu plus complète aussi ultérieurement. Non, parce que vous comprenez, en tout cas on l'a vécu, là, je ne sais pas si vous étiez là il y a quelques années, en 2016, la ville a refait la rue de Augier, grosso modo, jusqu'à Brouillen. Puis on a passé un été, tumultueux, OK? Et puis là, je me dis si ça va de mai à novembre, puis qu'après ça, bien, l'année d'après, la ville revient pour refaire les entrées de plomb.
je me dis, pour la partie qui va déjà être bloquée, parce qu'on ne se le cachera pas, on va vivre, disons, c'est correct, il faut que ça se fasse comme ça. Mais tant qu'à être là une fois, pourquoi revenir 3 mois ou 6 mois ou 1 an plus tard pour déranger une deuxième fois les gens? C'est ça ma question. Bien, moi, je pourrais répondre à la partie vraiment travaux, infrastructures. C'est sûr que le service de l'eau trouve une opportunité pour s'intégrer dans notre projet du réaménagement du carré Augier. Pour l'aspect des remplacements d'entrée de service d'eau en plomb, ils sont inclus étant donné que dans ce projet-là, on fait la reconstruction des conduites d'aqueduc. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi le remplacement des entrées de service d'eau en plomb et des autres entrées de service, toutes les entrées de service. On s'arrête au niveau de cette limite des travaux, je dirais, parce que c'est dans l'opportunité de s'intégrer au carré Augier. Mais on pourra vous revenir avec une réponse. Oui, j'ai compris cette partie-là, mais moi, je parle surtout du coin, la traverse jusque là-bas. Disons que le vivre deux fois, en tout cas, c'était mon point de vue, tout simplement, dans la mesure du possible, d'éviter ça. C'est gentil. Merci beaucoup pour votre commentaire, monsieur, et votre question. Autre question, pas pour vous, plus tard. Oui, bonsoir, monsieur. Allô, mon nom est Pierre Mongeau. J'ai une question. Au niveau, bien, on va vivre un grand dérangement. Et puis, je me demandais si, lors des travaux, la rue Bélanger, là, c'est des parcomètres. Puis la rue est moitié-moitié, mettons, commerciale et résidentielle. Puis il n'y a pas beaucoup qui payent les parcomètres. Il n'y a jamais personne qui sont là. Est-ce qu'on pense, mettons, de donner les stationnements pour les gens? C'est un peu la question. C'est la question. OK. Bien, en fait, pour le moment, on n'avait pas planifié nécessairement de donner les stationnements de Bélanger. C'est sûr que là, nous, on vous entend aujourd'hui, on prend ça en note, puis on peut évaluer comme les possibilités, justement, pendant les travaux, qu'est-ce qui serait possible de faire au niveau des stationnements. Donc là, c'est ça, nous, je vais garder ça en tête, puis on va vous répondre éventuellement par un question-réponse sur le site de Réalisons-Montréal. En dernier, mettons, on a le droit à un deuxième. C'est que présentement, là, on vit un peu. Il y a quelques cases de stationnement qui sont en moins là, dans l'entour du carré. Là. Puis, qu'est-ce qu'on vit là, comme voisin? Parce que je vois, j'ai des voisins, voisines. Là. Et puis, ben là, c'est des tours du bloc là, pour se trouver un stationnement. Là, moi, j'ai habité sur le plateau. Là. Quand je suis arrivé là, c'était quand même super bien. Là. C'était facile. Tu arrives chez vous, c'est apaisant, c'est facile. Mm-hmm. Là, aujourd'hui, ça l'est moins. Puis c'est bien beau, tu sais, verdir des choses comme ça. Là. On avait une maison là, qui était un shoebox. Là, il a été démoli. C'est des condos. Là, c'est carrément, tu sais, du toit plat qui prend l'eau, qui lui met des égouts. Là. Mm-hmm. Fait que là, je trouve des fois que la ville, on s'en va par là puis par là en même temps. Là. Je veux dire, on envoie l'eau dans les égouts, puis après ça, on dit « Ah, on fait ça. » Ben là, l'idée, justement… Mais on vit du manque de stationnement. Fait que là, on a plus de gens avec des voitures. C'est ça. On est là. Fait que là, on arrive chez nous, puis on fait des tours du bloc. C'est... Ouais, en tout cas... Ouais, on en prend bonne note, là, pour... C'est quand même... Si moi, je trouve ça beau, ça va être beau. C'est, là, je suis content, c'est beau. Mais là, je sais que quand tu arrives pour vivre là, c'est là qu'on tourne en rond, puis... En tout cas, moi, j'ai eu l'effet, là, c'est sûr qu'on est comme un peu immunisé. Moi, je ne passais jamais sur Louis-Aimont. Jamais. Je suis tout le temps là. Je m'en excuse. Merci, M. Bonjour. Merci. On aura un complément de réponse pendant l'invitement question-réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Oui, une petite fille. Tu sais que moi, ben, j'aime beaucoup ce que vous disiez, puis merci pour le carré Augier. Ben, merci à toi, ma belle. Comment tu t'appelles? Lydia. Lydia. Merci, Lydia, d'être venue. Tu as été super fine, puis tu as posé un beau commentaire. Merci beaucoup. Et monsieur, vous pouvez revenir. Hein. Tantôt, j'ai dit limiter votre question, une question, une sous-question, mais on a du temps là encore. Il nous reste un bon 40 minutes. Donc, vous pouvez revenir poser une question. Bonsoir, alors, madame. Bonsoir. Je suis Chantal Marcellet. Je vis sur la rue des Écorts. Et puis, je voudrais renforcer la question de Pierre. En fait, il y a au moins 6 blocs de stationnement qui ont disparu, qui sont bloqués. On ne peut pas stationner. Puis c'est un petit peu trop excessif, je pense, personnellement. On m'a dit en courriel que c'était pour les pompiers ou la ville. Et puis, ma famille ne vient plus parce qu'il n'y a pas de stationnement. Et puis, moi, j'ai un enfant handicapé, une vanne
je suis immensément chanceuse d'avoir mon stationnement handicapé, mais j'aimerais mieux le donner à quelqu'un d'autre. Là, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a eu cet hiver des travaux, alors il y avait des pancartes partout. Et moi, je dois descendre ma fille par urgence. Alors, je me suis mise dans là où je n'avais pas le droit, en fait. Mais il n'y avait pas de danger. Mais j'ai eu ma contravention. Et puis voilà. Je trouve qu'il pourrait au moins couper de moitié pour les pompiers ou pour les camions de la ville. En fait, en ce moment, ceux qui s'en servent, c'est plutôt Prolator. Et puis, voilà. Ça me ferait plaisir qu'on nous prenne en conscience que... La rue des Écorts, elle est jeopardisée. Entre Saint-Jean-de-Sic et Bélanger? Oui, oui. Effectivement, pour l'aménagement temporaire, on a dû enlever 6 places de stationnement. Puis, dans le fond, c'est vraiment pour permettre le virage des véhicules d'urgence. On a une simulation de virage qui a été effectuée, puis ça fait en sorte qu'ils peuvent comme emprunter l'espace des stationnements. Donc, on ne peut pas prendre de chance avec ça. Là. C'est pour ça que les cases ont été retirées. Oui. Et je comprends, hein, je comprends. Mais je pense que peut-être qu'on pourrait poser un poteau au milieu puis en prendre 2-3 plutôt que 6 parce que je crois que les camions sont plus petits ou enfin... Et ça dépasse même la rue Augier. Là. Les camions sont déjà en train de tourner. Il y a au moins une place, ça c'est certain. Mais en fait, parce que la rue a changé de sens. En plus, ouais. Mm-hmm. Pourquoi? C'est quoi le besoin? Oui, je pense que c'est ça. Il y a des gens que je pourrais... Oui. C'est une situation de groupe sur la rue. Hein? Oui, c'est ce que je comprends. Beaucoup de frustration. Oui. Puis on voit que ce n'est pas très utile non plus. Les pompiers, quand ils vont venir, ils vont venir. Ils vont envahir la rue, c'est comme ils font partout, si c'est nécessaire. Je voulais juste au moins vous partager ce besoin chez nous qui est essentiel. Et puis j'ai eu ma contravention que j'ai essayé de contester en parlant de vous. J'ai dit, c'est merveilleux le cariogé parce que enfin du verre, hein, c'est important. Mais on est affectés, nous, par ça. Parfait, on vous entend là-dessus. Oui, j'en prends bonne note. Mais j'entends ce que vous dites. J'espère que je vais entendre. Oui, oui, on a aussi des élus avec nous aussi qui vous entendent. Oui, bon, excusez, pardon. moi, j'habite... Votre nom, monsieur, s'il vous plaît. Alex Grenier. Moi, j'habite juste en bas, au coin. Là. Je suis vraiment sur le coin. Moi, je trouve ça très bien, ce qui a été proposé. Ça fait 32 ans que j'habite dans le coin. Puis, s'il y a un espace pour s'asseoir, j'ai peur que les hobos qui sont dans le parc s'agarrent. Il y a beaucoup de hobos. Puis même itinérants. Puis aussi, je connais pas exactement le terme poli, whatever it is, mais ouais. Puis maintenant, au métro Iberville, il y a définitivement des gens toxicomanes qui sont là. Mm-hmm. Puis moi, ce que j'ai peur, c'est que ça augmente la probabilité qu'on attire cette clientèle-là avec le siège qu'on peut s'asseoir. Fait que, honnêtement, je pense qu'il faudrait peut-être reconsidérer juste ça, là, qui n'est pas énorme. Mm-hmm. Parce que moi, j'ai vu la différence dans le parc Sagard. J'allais à l'école Saint-Barthélemy, je croisais pour aller au métro Iberville à tous les jours. Puis là, maintenant, ils sont tout le temps là. Puis, personnellement, je suis un homme, j'ai 37 ans, je me sens encore fort, mais si je vais être plus vieux, puis j'y croise, je vais être insécure, très insécure. Puis des bouteilles de bière qui vont traîner, etc., je pense que ça défie complètement le but de pourquoi on investit dans ce projet-là. Mais je pense que le banc, just get it out. J'en prends note, effectivement. Puis, on avait ça en tête, là, il y a plusieurs gens qui nous avaient parlé du flanage. Puis, effectivement, on a tenté de réduire au maximum le mobilier urbain présent dans le parc, puis dans le passage, pardon, puis d'éviter de mettre trop d'éclairage pour éviter qu'il y ait du flanage. Mais c'est sûr, on écoute ce que vous nous dites. Puis, je regarde la valeur ajoutée. J'essaie d'anticiper la valeur ajoutée du banc. Versus les problèmes que ça peut théoriquement ou malheureusement pratiquement créer, je vois difficilement l'avantage par rapport au risque qui est pris avec ça. Moi, j'habite là, il y a beaucoup de gens ici qui habitent ici. Si on voit les mêmes gens qui boivent de l'alcool, laissent traîner leurs affaires, il va y avoir des altercations, c'est sûr et certain. Okay. Moi, je vais m'en occuper. Fait que, c'est noté. Votre point est très clair. Enlevez le banc, s'il vous plaît, sans faire, ça va éviter bien des problèmes. Excellent. Merci, M. Grenier, pour votre commentaire et votre suggestion. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Patricia Lemieux. Oui, peut-être que ça permettrait, par exemple, à des locataires qui n'ont pas trop
d'accès à la verdure d'aller s'asseoir dans le carré Augier. C'est pas mon cas, mais bon. Moi, je me demandais, il n'y a aucune possibilité en vélo de traverser ce carré, sinon de prendre la voie piétonne, ce qui n'est peut-être pas super, là. Je me demandais si vous aviez pensé à cette petite option. Nous, en fait, il y a déjà une piste cyclable qui a été implantée sur Sagard. Puis l'idée, c'est que les gens allaient pouvoir descendre Louis-Aymon pour rejoindre la piste sur Saint-Zotique. Puis sinon, c'est possible aussi de prendre la piste sur Saint-Zotique puis de monter par la rue des Érables. Il y a du marquage au sol, justement, pour se rendre jusqu'à la piste sur Sagard. Mais effectivement, non, ça va être... vous ne pourrez pas traverser en vélo le carré Augier. Ça va être peut-être Donc, si on est sur des écarts, il faut qu'on se rende à Bélanger, qu'on revienne. Juste peut-être concentrer les questions au micro, s'il vous plaît. Merci. Non, c'est bon, madame, votre question était très claire. Oui. Je veux juste dire au monsieur d'aller au micro, si c'est possible, pour combien vous l'entendre. Alors, merci pour votre commentaire et votre question. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonjour. Bonsoir, mon nom est Mathieu. J'habite aussi Lefèvre, merci. J'habite sur des écarts aussi. Et justement, les 6 ou 7 places de stationnement qui sont à cet endroit, moi, je travaille juste en face de ceux-là. Et quotidiennement, c'est quoi? Ben, c'est des FedEx, des Intertel, des chauffeurs de taxi qui fument leur clope, qui laissent tourner leur moteur, qui sont là et qui utilisent ces places-là parce qu'ils restent dans leur voiture. Donc, ça peut être 1 heure, 2 heures. Le contracteur qui est au coin de la rue, qui ne veut pas bloquer, il vient là avec sa pelle. Les gars de la ville qui ont 2 minutes, qui veulent se reposer, fumer une clope, ils vont là. Donc, tu vois, donc ça devient un endroit qui n'est pas agréable. Mm-hmm. Et alors que chez nous, c'était super calme avant. Et là, ça devient qu'il y a toujours un camion, il y a toujours quelque chose en avant parce qu'ils viennent se stationner là. Donc, moi, c'est mon point. Chacun dans sa paroisse, je pense, pour tout le monde ici ce soir. Ben, parfait. Ben, je vous entends, puis aussi votre voisine. Donc, c'est bien noté. Merci, monsieur Lefèvre. Bonjour. Jean Dufour. Moi, je suis venu au monde dans les années 50. Là. On sera dans l'autre siècle. 68-80, Sagard, je demeurais là. J'étais à l'école Saint-Barthélemy. Déménager sur des écarts où je suis toujours pas résident. Là. Ma belle-maman demeure sur des écarts. Moi, j'ai fui Montréal. C'est beau tout ça, là, mais quand je reviens à Montréal, je suis triste parce que je regarde l'état de nos rues, la rue des écarts en particulier, entre Saint-Zotique et Bélanger. Et je me dis, waouh, quelle reverdisation de merde qu'on a là. Les trottoirs sont rendus étroits parce que les mauvaises herbes embarquent sur le trottoir. Il n'y a plus personne qui entretient sa propriété. Il y a beaucoup qui n'entretiennent plus leur propriété. Puis là, je me dis, on va investir, je ne sais pas, là, on parle de 6,8 millions. Donnez-moi un chiffre, là, 14 millions de dollars pour faire ce coin-là. 3,6 millions, bon, mais ça inclut des travaux d'infrastructure souterraine également. Je suis content que vous ayez pensé à faire les entrées de plomb et tout ça dans ce secteur-là. Parce que je me souviens, moi, quand on a fait la rue Augier, l'asphaltage en neuf, je me souviens de Vise du Québec, l'asphalte a été défaite pour passer le bel téléphone 2 semaines après. Fait que là, j'espère que ça ne se produira pas comme ça cette année. Mm-hmm. Mais tout ça pour dire que, encore là, je remarquais dans votre plan, vous me parlez ici, on empêche la circulation sur Louis-Aymon d'aller vers le sud, ce qui fait que les gens vont aller tourner sur la rue Sagard pour essayer d'aller vers le sud. La rue Sagard, vous l'avez dédiée à une piste cyclable. Fait qu'on augmente le danger sur la rue Sagard où la rue est plus étroite. On a mis des bicyclettes en plus. Puis on dit au monde, passez plus sur Louis-Aymon, allez passer sur Sagard. C'est là que la piste cyclable, vous allez avoir plus de plaisir à rencontrer des bicycles. C'est pas tellement... Ce bout-là, il manquait un petit peu. La piste cyclable aurait pu être sur Louis-Aymon aussi, puis être fluide pour aller vers le sud. Fait que c'est un constat. Puis là, je me dis, une fois qu'on a mis toutes ces belles fleurs-là, tout ça, est-ce que la ville va avoir l'intention d'entretenir le tout? C'est ça aussi la question. On a défait de l'asphalte entre Beaubien et Saint-Zotique pour mettre des carrés de fleurs, etc. Puis je pense qu'il n'y a plus d'entretien. La ville, elle se dit, on s'en occupe plus. C'est à vous autres, les citoyens, à vous en occuper. Puis moi, ce que je dis aux citoyens, c'est occuper là l'espace qu'on vous donne, parce que c'est à vous autres. Moi, je ne vais pas m'amuser là, mais là, je coupe le gazon, puis je m'aperçois que je suis tout seul à couper le gazon en avant sur la rue des Écarts. Là, moi, il y en a beaucoup qui... Entre le trottoir et la chaîne de trottoir, là, ça n'existe plus. Là. C'est plus à nous autres, on s'en occupe plus, il n'y a plus rien qui existe là.
Fait qu'occupez-les le terrain. Donc, votre occupation, monsieur, c'est de s'assurer que ce soit que bien entretenu. Que l'entretien soit fait par la suite. Parce que là, moi, ce que je vois dans Rosemont, ça a été abandonné, là, carrément par la ville. On a remis les problèmes aux citoyens, puis arrangez-vous avec vos troubles. Les ruelles sont en état de décomposition. Le ciment est mangé. On appelle, on dit, il y a un trou là, bien, ils vont boucher le trou là, mais à côté, ils ne boucheront pas parce que ce n'est pas la même affaire. Fait que il y a beaucoup de négligence au niveau de la ville. Ça sort un peu du carré rouge, mais on vous entend quand même. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre commentaire. Rebonsoir. Rebonsoir. Mon nom est Mathieu Desnoyers, donc j'habite juste au coin ici, en haut à droite. Premier commentaire, je suis content qu'il y ait une mesure d'atténuation de la vitesse des vélos. Parce que des fois, moi, j'ai eu des Bixi qui sont passés à toute vitesse devant chez moi avec les enfants qui sortent de mon driveway et tout ça. Il y a eu des close calls. Fait que ça, c'est vraiment bien. En tout cas, qu'il y ait des mesures d'atténuation de la vitesse des vélos à cet endroit-là. Deuxième chose, ben c'est ça. Je réitère du côté banc au milieu de ça. Peut-être pas la meilleure idée en termes de ce que ça va attirer. C'est ça. Sinon, je suis bien content de ce que ça a l'air. Merci. Merci à vous. Merci, papa. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que Lydia veut parler encore? Bonjour. Bonjour. Mon nom, c'est Martine Rastel. J'habite sur la rue des Écarts. Je suis piétonne, cycliste et automobiliste. De ce temps-là, je ne suis pas contente dans mes trois rôles. Ce n'est pas agréable nulle part. Je regarde ça. Effectivement, moi, je prends la ruelle par Augier en vélo. Fait qu'effectivement, j'arrive par la piste cyclable Sagard. Fait que je ne pourrais plus passer à travers le carré pour aller par la ruelle. D'avoir inversé le sens unique de Louis Aymon, j'ai entendu dire c'est parce qu'il y avait eu une caméra puis qu'il y avait bien de la circulation. Mais il y avait des travaux sur Bélanger, fait que c'était une mauvaise perception. Puis moi, je trouve que ça a augmenté la circulation sur la rue des Écarts. Quand j'ai déménagé là, c'était super tranquille. Maintenant, j'entends des autos tout le temps, toute la nuit. Puis effectivement, les 6 espaces de stationnement, c'est du Purolator, c'est du Uber, c'est n'importe quoi. Puis j'ai une inquiétude. Je regarde ça, c'est beau, là, c'est vraiment beau. Mais je me dis, moi, en tant que femme, le soir, je ne passerai pas là. T'sais, tu dis, on va éviter les cachettes, puis ici, puis ça. Mais on regarde les arbres, puis moi, je ne me sentirai pas en sécurité. Peut-être, tu sais, comme si je passe sur le trottoir, mais en plein milieu, je ne pense pas que je vais m'aventurer là. Pour ça, il va y avoir des colonnes d'éclairage également. Là, puis c'est vraiment conçu pour avoir un point de vue par rapport au trottoir également. Là, donc, ça a été réfléchi, cet aspect-là. Puis, en fait, pour les autres points que vous avez parlé, on en a discuté là, pour ce qui est de la rue des Écarts. Puis, ouais. Donc, tout ça. Mais tu sais, c'est partout à Montréal. Tu sais, je marche. Là. Moi, je pars de chez moi, là, puis je fais avec ma voisine des 5 km. On va jusqu'à Plaza Saint-Hubert. Tu sais, c'est rendu que tout le monde est agressif sur la route. Là. Que ce soit les autos, les vélos, c'est tout le monde. Fait que tu es dans n'importe quel rôle, puis tu sais, tu te sens plus en sécurité nulle part. Là. C'est vraiment désagréable. Puis on dirait que c'est comme, il y a une tension, tu sais, le monde sont toutes ses dents partout, là, tu sais, fait que c'est pas agréable du tout, là. Fait que... Merci pour votre commentaire et votre constat. Bonsoir. Bonsoir. Je suis le voisin d'en face d'Alex. Je m'appelle Francis Devoix. Je suis juste en bas aussi, mais du côté gauche. J'avais une première. Madame, je vous remercie pour le travail qui a été fait. Autant que ce soit les mesures de... J'ai une voiture. Je vais en vélo au bureau sur le plateau Montréal. Je suis capable de le faire en utilisant majoritairement des véloroutes, des pistes cyclables, malgré les comportements des gens que je corrobore, que des fois sont un petit peu archaïques. Ce n'est pas votre rôle non plus de régler le comportement des gens. C'est à nous, je pense, d'avoir des bons comportements comme citoyens. Piste cyclable sur Sagard, même chose, je vais dire positif. Mon fils de 4 ans fait du vélo là, puis j'ai jamais été en danger. Donc, je veux vous remercier quand même pour le travail qui est fait. Je sais que c'est pas facile. Merci aussi de modérer la soirée. Fait que j'ai fini mes remerciements. J'ai une question. C'est au niveau de l'intersection, dans le fond, qui est vraiment en bas. Il y avait 2 stops qui avaient été mis dans le projet pilote. Je vais faire preuve de sarcasme. Là, mais on pourrait en mettre 2, 14, 16, 18. Les gens le font pas. Je voulais savoir s'il y avait vraiment une mesure au niveau du soulèvement. De un, s'il allait être vraiment conséquent, tu sais, comme on dit, pour péter une choc de char, là, si on passe trop vite. Puis de deux, si les stops allaient être maintenus, dans le fond, c'était vraiment plus une mesure d'apaisement, dans le fond, un dos down, où que les gens allaient ralentir doucement.
En fait, c'est ça, il y a un prolongement du trottoir là, qui va être proposé. Là. Donc ça, ça va être visuellement comme très perceptible. Ça va permettre aux gens, ça va faire en sorte que les gens vont plus s'arrêter parce qu'ils vont voir un trottoir, puis il va y avoir le stop également. Puis aussi, on a fait une saillie là, pour venir réduire la largeur de la chaussée aussi à cet emplacement-là pour vraiment venir réduire la vitesse. Donc, c'est les mesures qui ont été mises en place pour faire en sorte que les gens s'arrêtent parce qu'effectivement, en allant sur les lieux, on constate que les gens ils font pas le stop malgré tout. Là. Donc là, c'était vraiment de rétrécir la largeur. Puis quand on change de revêtement, par exemple, ça fait comme visuellement, on voit que c'est un arrêt. Là, donc les gens arrêtent avant. Donc c'est ça l'idée ici. Parfait, merci. Puis je vais corroborer pour le banc au milieu. Il y a eu très peu de flanage dans l'espace actuel, mais les seuls moments qu'il y en a eu, il y a quand même un écho qui est conséquent. Pour les résidents, donc je verrais quand même le même risque un peu pour que ce soit dans le fond un transfert de flanage, même si l'éclairage, j'ai déjà été un jeune aussi, puis des fois, je chillais dans la noirceur pour ne pas me faire prendre. Fait que c'est tout. Parfait. Merci. Merci. Bonsoir. Mon nom, c'est Maria Ciccione, je demeure au coin de Augier-Louis-Aymont. C'est pour savoir, c'est parce qu'on a des filages, ça fait 20 ans qu'ils pendent électriques qui sont sur notre maison. Puis on se demande si vous allez les... parce que ça fait 20 ans, là. Parce que là, une fois vous allez défaire ça, j'espère qu'on va régler ce problème-là parce que ça fait 20 ans, là, qu'on attend. Oui, bien, j'entends votre question. Je pense qu'on pourra l'adresser un peu plus précisément dans les questions-réponses, mais... Si, votre question, c'est aussi parce qu'il me semble que, c'est ça, il y a un fil électrique qui traverse actuellement l'intersection. Je pense que c'est tout le carré Augier puis Louis-Aymont. Oui, mais pour celles qui traversent vraiment le carré Augier, celle-ci, on a réussi à avoir des discussions avec Hydro-Québec pour voir à faire des travaux au moins d'enfouissement en dessous, ou non, plutôt, excusez-moi, pas d'enfouissement, de déplacement, en fait, de ce fil électrique-là. Okay. Par contre, ce qui est comme sur le restant de la rue, ça, c'est vraiment, ça nécessite des travaux d'envergure beaucoup plus intense, puis ça aurait un impact sur l'échéancier des travaux. Okay. Parfait. Puis une autre question, excuse-moi. Comme qu'on demeure à Rougier, je me demandais, les services ambulanciers, pompiers, nous, on a eu un cas, il y a eu quelques cas. Premièrement, l'ambulance n'a pas pu trouver notre maison. Deuxièmement, c'est arrivé au mois d'octobre. Au mois de janvier, c'est arrivé une de mes voisines sur la rue Louis-Aymont. Et encore là, j'en ai parlé, on a dit le problème va être réglé, mais les pompiers et non, surtout les ambulances, ils n'étaient pas capables de nous retrouver là, avec tout ça. Là. Fait que moi, c'est aussi avec le système pompier, tu sais, s'il y a un feu, là, qu'est-ce qui se passe chez nous? Là? Bien, c'est... Par rapport au service incendie, là, on est deux collés ensemble sur la rue Augier. Là. Ben, je vais peut-être vous répondre par rapport au service incendie de la ville de Montréal. C'est ce que Michel expliquait tantôt, c'est que les mouvements de virage sont possibles pour les camions de pompiers de Augier vers Louis-Aymont Nord, puis pareil, de Augier vers Louis-Aymont Sud. Oui, mais nous, on demeure sur Augier. Côté Est? Non. Plus bas, là? Ah, devant les arbres. Ouais. Pardon, excusez-moi. Mais oui, on a eu des discussions avec le service d'incendie pour justement s'assurer qu'ils soient en mesure de pouvoir comme accéder soit par à proximité, sinon il me semble par derrière, par la ruelle. Parce que là, à quelques reprises, j'ai vu les services de pompiers qui ont débarqué au Gier, Louis-Aymont, puis ils ont été obligés de courir l'autre côté pour une madame âgée. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Ben ça, pour vous répondre, on fait le suivi avec eux, puis on va prendre votre question en note, puis voir à l'adresse. Puis ça, avec les puiseurs puis la caduque, ça va régler le problème, parce que je suis tannée de faire inonder. Par rapport aux travaux, donc c'est ce qui... Je suis tannée, là. Ça vient lourd. On fait des travaux de reconstruction des conduites d'égout, surtout pour faire une mise aux normes, en fait, des services. Puis c'est aussi pour ça qu'on fait un bassin au niveau de l'intersection Louis-Aymont. Est-ce que ça va régler? Ça devrait régler les problèmes. Okay. Mais c'est sûr que ça va surtout venir soulager en fait, le réseau d'égouts, puisque les eaux pluviales ne vont pas aller directement dedans, mais vont être comme dans les zones de végétalisées où elles vont aller s'accumuler pendant un 48 heures maximum avant de pouvoir être infiltrées. Puis c'est ça, le banc, c'est la même chose. Écoute, on trouve des seringues dans le parc Sagard. Les itinérants sont encore là. Je ne veux pas que ça devienne ça devant notre
C'est bien noté. Il y en a plusieurs comme vous qui sont préoccupés. Merci pour votre commentaire. Alors, moi, je prends la parole pour vous dire que je suis étonnée. Et vous êtes, madame? Madame Nicole Eva Morin. Oui. Je suis étonnée de parce que j'ai participé, on a été sur le site, je pense, il y a un an ou deux. Il y a beaucoup de choses qui ont été discutées, parlées, etc. Et je les vois. Je trouve ça très beau, vraiment. Et surtout, ce que j'adore, c'est la végétalisation et tout. Tout ce qui a été fait pour les bassins de biorétention. Il y a plein de choses extraordinaires, je trouve, qui ont été faites. Alors, vraiment, c'est réussi à mon point de vue. Autre chose, un monsieur qui parlait de la végétalisation dans les rues. Et moi, je suis pour à 100 %. Avant, c'était de l'asphalte stérile. Oui, c'est vrai, il y a quelques herbes qui penchent vers nous, mais ça ne nous mange pas. Là. Tu sais, l'herbe, ça ne mange personne. C'est beau, même si ce n'est pas entretenu, ce n'est pas grave. Les pollinisateurs sont contents, etc. Alors, mais si vous offrez le service, si vous occupez d'entretenir le tout, c'est merveilleux. Moi, je suis pour qu'il y ait de plus en plus de végétalisation dans les rues, puisqu'on a une largeur de trottoir quand même qui encourage ça. Et voilà, je voulais vous remercier pour le travail que vous avez fait. Tout n'est pas parfait, c'est jamais parfait, ça ne sera jamais. Mais globalement, moi, j'ai retrouvé des choses que je voulais absolument avoir et oui, ça répond. Maintenant, pour ce qui est du banc, je comprends que les gens veulent éviter que des itinérants ou autres personnes s'assoient, etc. Mais je me demande si en enlevant le banc, ça va nécessairement éviter aux gens de venir. Parce qu'il y a d'autres lieux où il n'y a pas de banc, puis les gens vont chiller, comme on dit. Je ne sais pas si c'est le banc, peut-être. Mais ça permettrait à des personnes âgées aussi de s'asseoir. Et comme disait une dame aussi, je ne me rappelle plus laquelle, c'est que ça permet aussi à des gens qui habitent, par exemple, un deuxième ou un troisième étage, qui n'ont pas de cour arrière, qui n'ont aucun lieu de végétalisation, ils peuvent pas, alors d'avoir un lieu de verdure. Pour se détendre. Alors, c'est jamais parfait. Il y a toujours des pour et des contre. C'est de juger le taux de risque par rapport à ce qu'il y a dans l'environnement. Je pense que l'équipe va analyser tout ça puis oui. va venir avec une proposition. Mais c'est le fun d'entendre les deux points de vue ce soir. Et je voulais, quand vous dites le surélever les passages piétons, est-ce que c'est très surélevé de combien de... En fait, c'est sûr que c'est encore à comme le détail, vraiment le détail, ce sera comme c'est encore à définir. Mais l'objectif, c'est vraiment surtout que le trottoir en fait arrive au niveau, enfin plutôt que la chaussée arrive au niveau du trottoir pour faire en sorte que ce soit que les gens aient juste les piétons aient une traverse qui soit comme linéaire et n'aient pas à descendre sur la chaussée. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est surélevée. Donc pour les voitures, ce sera comme avoir un dodane ou en tout cas une surélévation. Ah d'accord. Ce qui veut dire que le bassin de rétention des eaux est en dessous. Oui, parce que l'objectif, c'est que les eaux, justement, de part et d'autre, convergent vers le bassin de rétention. Bon, parfait. Et peut-être puis... une dernière? Non, ça va. OK, parfait. Merci, vous. Merci, vous reviendrez si jamais vous pensez à d'autres choses. On a encore un bon 20 minutes, là. Ah, encore notre ami qui revient. Ben, moi, j'aime beaucoup ça. Puis et c'est très beau, les fleurs, les arbres, j'aime beaucoup ça. Ben merci encore, Lydia. Ah, est-ce qu'on a... Non, la petite sœur ne veut pas poser une question. OK. Allez-y, monsieur. Bonsoir, James Quimpan. Oui, bonsoir. Je veux juste en rajouter un petit peu que ce que disait Marie tantôt. Là, les infrastructures sont déjà passées par la Ville de Montréal en 2001. Ça veut dire que la rue Augier, là, on a des tuyaux souterrains en béton. Il reste juste à passer les fils. Puis même les poteaux sont installés. Il reste juste à installer les poteaux décoratifs et les brancher. Ça fait 22 ans là, qu'on a payé pour ça. Puis il n'y a rien qui s'est fait. Bien, effectivement. Non, mais le faire en même temps, ça serait bien commode. Okay. Parce que tout serait fait en même temps. Parce que, comme je vous dis, il y a des... Juste Mme Sia répond, s'il vous plaît. C'est pour ça que j'ai répondu à la personne avant. C'est effectivement, il y a une partie des infrastructures, mais qui a été faite à un moment T. Puis quand on a interrogé les responsables des réseaux techniques urbains, dont Hydro-Québec et la CSEM,
effectivement, il y a les réseaux sur une partie, mais ça nécessiterait quand même une étude de leur part. Puis ça, ça pourrait mettre à risque le projet de se réaliser dans un temps donné. Puis ça a une temporalité qui est de plus de 3 ans pour étudier la question. Et j'entends votre question, puis c'est pris en note, je pense. Bien, merci. Merci, monsieur, pour votre question, intervention. Bonsoir. Serge Rioux, justement, sur Désirable. Juste apporter un correctif sur ce que vous avez dit tantôt pour penser que les gens, que demain matin, le lendemain de la fin des travaux, qu'il n'y aura plus d'inondation, c'est faux. Ce n'est pas ce petit bassin de rétention-là qui va faire qu'il n'y aura plus d'inondation dans les sous-sols. C'est une goutte d'eau, d'une certaine façon. C'est minuscule là, comme rétention d'eau. Fait que de penser qu'il n'y aura plus d'inondation dans les sous-sols, c'est faux. Il ne faudrait pas faire croire aux gens qu'après ces travaux-là, tout le problème est réglé. Il n'est absolument pas réglé. Est-ce que êtes-vous architecte ou ingénieur? Non? OK. Ben, écoutez, c'est pris en note votre observation, votre commentaire. Après, nous, ce qu'on vient dire, c'est que les services techniques qui ont fait le design des conduites d'égouts, puis qui vont regarder le bassin de rétention, leur objectif, c'est de faire une accumulation des eaux pluviales vers cette zone-là. Ben, j'entends votre question. Et votre préoccupation, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Ah, oui. Bonsoir. Bonsoir. Alain Sauvé sur Désirable. C'est super beau ce que vous avez fait. C'est moi qui avais donné l'information du Montréal Tramway qui tournait là à l'époque, OK, en 1912. Le banc, moi, je trouve qu'il devrait rester là parce que les jeunes, les itinérants, comme vous voudrez, ils vont aller sur les plateformes de béton s'asseoir. Je le sais, moi, je travaille à l'école qui n'est pas loin. Et on leur a fait la structure pas loin sur Bellechasse, on a toujours du monde, là. Ça, c'est clair. Moi, je dis que le banc devrait rester là. L'éclairage, depuis quelques années, la Ville de Montréal a réduit l'éclairage. C'est des DEL, si je me souviens bien. C'est plus les jaunes qu'on avait avant. Avant ça, on avait des blancs. C'est sombre sur les rues. C'est haut. Les arbres ne sont pas toujours coupés, donc la lumière qui est déjà pas forte, il n'y en a pas en bas. Mm-hmm. Je sais, j'ai fait défoncer mon auto, je sais ce que c'est. Et la lumière que vous allez mettre sur la passerelle, sans nécessairement que ça rentre dans les maisons qui en entourent, je me demande si on ne devrait pas les mettre un peu plus fortes. Parce que sur les rues, c'est déjà sombre. Si on met des lumières là, on ne veut pas que personne qui arrive à rien, pour la sécurité des dames, des enfants, des personnes âgées, parce qu'il y en a dans le secteur, on pourrait augmenter un peu plus les lumières que des DEL. Ça, c'est selon moi. Dernière chose que je veux dire, depuis qu'on a fait la piste cyclable, quand ça arrive à la ruelle Sagard devient la piste cyclable jusqu'à Saint-Zotique. On en a des vélos qui passent par là. Les gens ne suivent pas vraiment la ligne des vélos. Ça serait peut-être bon d'indiquer ou de, je ne sais pas, peut-être changer la configuration de ça. Je me questionne. Okay. Non, c'est une bonne recommandation, une bonne observation. Je pense que l'équipe en place en prend bonne note. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait ces soirées-là. Hein? On va avoir vos commentaires. J'aurais juste une dernière question, si vous permettez. Est-ce que vous avez trouvé les archives que je vous avais dit à l'époque pour Montréal Tramway qui tournait là en 1912, dans le temps du village de Lormier? C'était pas à Montréal à l'époque. Je ne sais pas si ça a été vérifié. Je me rappelle que vous m'avez parlé de ça, mais non, j'ai pas trouvé les archives. Pas rien, non. Dommage, j'ai pas ma recherche que j'ai fait. Merci pour tous les renseignements que vous nous avez donnés. C'est bon. Merci. On m'en a même parlé ce soir. Il y a quelqu'un qui me dit, il y a un monsieur qui était venu nous dire qu'il y avait, c'était là que le tramway venait tourner. Bonsoir, madame. Allô, Caroline Bélan. Donc, j'habite des Écorres. Merci parce que c'est vraiment super pratique. Là. Moi, je suis une piétonne et une cycliste et j'avais vraiment peur dans cette section-là à chaque fois que je traversais. Donc, et pour les stops aussi, le monsieur est parti, mais oui, gardez-les, s'il vous plaît, avec les dos d'âne, ça a vraiment fait une différence. Moi, j'ai une question par rapport au sens unique. J'ai acheté une voiture pour la première fois depuis 1 an et demi et le but de ce projet-là, c'est de ralentir le va-et-vient des voitures. Mais depuis que ça a changé de sens, il y a beaucoup, beaucoup plus de passages. C'est comme si avant, vu que ça passait vers le sud et ça remontait des Écorres, c'était comme une espèce de faux cul-de-sac.
Mais là, ce n'est plus le cas vu que ça passe sur des écarts. Fait que, oui, on a perdu des espaces de stationnement, mais moi, je voudrais juste savoir pourquoi ça a changé de sens, en fait. Vous en avez peut-être parlé durant les consultations. Moi, je n'ai pas pu être là, malheureusement, mais c'est ça qui m'intéresse parce que avant, il n'y avait pas d'enjeu pour police, pompiers, tout ça. Donc, c'est quoi la différence qui fait que là, nous, on a des enjeux de stationnement, puis vous en enlevez 5 en plus. Donc, ça devient difficile là, dans notre rue, puis il y a plus d'achalandage aussi. Effectivement, nous, c'est qu'on avait nos équipes au niveau de la circulation, ils ont fait une étude, puis on a eu aussi des études par caméra qui démontraient qu'on avait vraiment comme à peu près 300 véhicules qui passaient par jour, qui provenaient de Bélanger, puis qui descendaient sur Louis-Aymont vers le sud. Donc là, nous, on a voulu restreindre justement ce transit-là, là, donc en venant changer le sens de la circulation, ça faisait en sorte qu'on réduisait beaucoup le transit véhiculaire qui passait dans le carré OJ. Donc, c'était une des raisons pourquoi on avait implanté cette mesure-là. Là. OK. Est-ce que ça pourrait être intéressant de refaire cette étude, mais avec, en fonction d'une caméra sur des écarts, pour l'inverse? Parce que là, le carré OJ, il est bloqué. Fait que c'est sûr que, tu sais, probablement que si on remet la route vers le sud, puis qu'on refait ce faux cul-de-sac, ça va abaisser beaucoup, dans le fond, le niveau. Puis nous, on pourrait récupérer les espaces de stationnement parce que, de ce que j'ai entendu aussi dans le quartier, c'est que ce test-là a été fait pendant qu'il y avait beaucoup de travaux sur Bélanger, ce qui aurait impacté les résultats. Donc, nous, on est comme vraiment perdants avec l'inverse, pas juste au niveau des stationnements, mais au niveau aussi du nombre de voitures maintenant qui passent. Puis c'est une piste de course sur des écarts, malgré que c'est vraiment pas une belle rue qui est maganée. Mais ça, c'est un autre dossier. Je vais écrire à la ville parce qu'ils ont mis des dodanes au nord de Bélanger, puis ça aide vraiment. Fait que je vais peut-être le demander pour des écarts. Mais peut-être que ce serait bien de refaire le test maintenant que c'est fermé, même si c'est juste temporaire. J'en prends note. Merci beaucoup pour votre commentaire. Merci, Mme Belland. Rebonsoir, monsieur. Oui, rebonsoir. Moi, j'avais un autre petit commentaire, en fait, pour supporter monsieur. Concernant la piste cyclable de Sagard, qui est correcte, mais un cycliste, ça ne fait pas de détour. Hein. Donc, quand ils arrivent au coin d'Augier, ils continuent dans la ruelle. C'est pas les vélos, il en passe beaucoup de vélos, là. C'est pas les vélos avec les enfants qui causent un problème. C'est les scooters, c'est les vélos électriques. Il y a beaucoup d'enfants dans la ruelle entre Louis-Aymont et Désérable. Les vélos, ça devient dangereux, ça devient un enjeu important, puis je pense qu'il va falloir trouver une façon d'installer des dodanes sur lesquels les vélos vont devoir passer pour réduire la vitesse. Les scooters qui roulent à 30 km/h d'une ruelle, alors que la vitesse limite dans une ruelle, c'est 10 km/h. Mm-hmm. Pour ceux qui ne savent pas, là, c'est 10 km/h. Les vélos électriques à 30 km/h, ça n'a pas de bon sens non plus. Là. C'est vraiment un danger. Parfait. Bon commentaire. Et ça, je pense qu'il faut qu'on trouve une solution pour ralentir ces vélos-là ou les forcer à passer sur Louis-Aymont. Mais pour 25 mètres, le cycliste, il ne fera pas de détour. Je suis aussi cycliste. Là. On n'en fait pas de détour. On n'a qu'à voir ce qui passe présentement sur de Maisonneuve où il y a des travaux, où la piste est fermée, mais le cycliste passe pareil. Là. Ouais. Un cycliste, ça va en ligne droite. Parfait. Bien, on va prendre bonne note de votre commentaire. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres commentaires, d'autres questions, interventions? Oui, on en a une autre. On a encore du temps. Deuxième, mais peut-être mon dernier. Oui. Moi, je suis cycliste aussi, bien, piéton aussi. Puis, on passe, oui, sur Augier, puis on s'en va dans la ruelle entre des écarts, puis Louis-Aymont. Donc, là, on ne pourra plus passer, là, je me dis, hey, c'est-tu pour les gens du quartier, du carré où c'est fait pour juste être beau que le monde passe. Le commentaire, c'est qu'on aimerait, oui, peut-être être capable de passer en vélo. Puis là, on entend là, que les gens ont de la misère avec des ambulances. Ça se pourrait-tu que le côté Augier, là, qu'il y aurait peut-être quelque chose qui pourrait faire qu'un pompier pourrait passer, mais peut-être pas une voiture, là, t'sais? Soit un genre de dos, un poteau là, que le pompier va le coucher, ou une ambulance. Puis les vélos pourraient passer là, en tout cas. Puis ça rapetisserait un peu le trou noir là, pour la peur de c'est trop, là, c'est bien beau ben, des arbres, là, mais c'est peut-être un peu trop pour... Je me dis ça. Quand j'étais assis, j'écoutais. On prend note de votre commentaire. Je vous remercie. C'est beau les arbres. C'est bon. Merci. C'est bon, merci. Mais même moi,
fumeur puis quelqu'un qui est drogué, là, j'en ai déjà dit, c'est comme, c'est pas le goût, là, le qu'est-ce qu'il ferait là, en tout cas, je... Ouais, je sais c'est quoi. Ouais. Les ballards, le char passe pas, le vélo oui, mais. Okay, parfait. Ben non, je pense que le commentaire est pertinent. On va le prendre en note, on va l'analyser avec l'équipe de projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, on va clore la soirée. Merci beaucoup. Donc, ceci met fin à la séance d'information de ce soir. Je veux remercier Mme Annius. Ce ne sera pas long, je veux juste terminer. Mme Annius, Mme Demers et Mme Cécilia, ainsi que les intervenants ce soir qui ont intervenu. Merci d'avoir été présents. Merci pour vos commentaires, vos bonnes suggestions. C'est bien apprécié. Je vous rappelle que la présentation, de même que les documents, le document questions-réponses, avec les questions auxquelles on n'a pas pu répondre ce soir, sera bientôt sur le site Réalisons Montréal, donc réalisonsmtl.ca. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Puis on a bien hâte de voir ce beau projet se réaliser. Alors, merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée. Merci.